Chaque jour, un verset de la Bible, une pensée et une invitation. Plus de power avec Léo. As-tu déjà ressenti que tu plafonnes dans ta vie spirituelle? Parfois, on a l'impression de stagner. On se demande si on pourra vraiment aller plus loin, n'est-ce pas? Eh bien, c'est exactement ce dont nous allons parler aujourd'hui, en plongeant dans une histoire racontée par notre Seigneur Jésus-Christ. Le texte d'aujourd'hui se trouve en Luc chapitre 13, versets 21 et 22. Jésus dit encore, « À quoi comparerai-je le règne de Dieu ?» Il ressemble au levain qu'une femme prend et mêle en grande quantité de farine, jusqu'à ce que toute la pâte lève. Tout comme le levain fait son œuvre dans la pâte, le Saint-Esprit, mon ami, fait son œuvre dans nos cœurs, absorbant tout ce que nous sommes, nos capacités et notre potentiel pour nous rendre semblables à Jésus, corps, âme, esprit. J'espère que quelqu'un il est en train de dire un grand amen. Ellen White elle commente ce texte et il dit « Dans la parabole, la femme place le levain dans la pâte. Il est nécessaire pour combler un manque. » Par cette leçon, Dieu nous enseigne que l'homme ne possède pas en lui-même les éléments indispensables au salut. Il ne peut se transformer lui-même par l'exercice de sa volonté. La vérité doit être reçue dans le cœur. Ainsi, le levain divin remplit sa mission. Par sa puissance vivifiante et transformatrice, il produit un changement dans le cœur. Des nouvelles pensées, des nouveaux sentiments, des nouveaux desseins sont éveillés. L'esprit est transformé. Les facultés sont prêtes à l'action. L'homme ne reçoit pas des nouvelles facultés, mais celles dont il dispose sont sanctifiées. La conscience morte jusqu'à là reprend vie. Mais l'homme ne perd pas ce changement lui-même. Il ne peut être mis en œuvre que par le Saint-Esprit. Tout être qui aspire au salut, humble ou puissant, riche ou pauvre, doit se soumettre à l'action de cette puissance. Cher ami, le seul moyen de continuer à grandir et ne pas stagner, c'est de laisser le Saint-Esprit prendre les commandes de nos vies. Il ne vient pas seulement combler nos lacunes, mais il vient aussi pour amplifier ce que nous sommes, nos qualités et nos capacités. Mon cher ami, demande au Père, au nom de Jésus, de te donner le Saint-Esprit pour te remplir et te faire grandir. Lance-toi, réclame que le Saint-Esprit soit le levain dans ta vie et demande au Père plus de power.